Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la Ligue française de League of Legends, la LFL qui continue sa route vers son Summer Split 2023. Nous sommes pile poil au point de mi-saison. 9 matchs ont été disputés par nos 10 équipes. On rentre dans la partie donc la plus palpitante, le sprint final vers les playoffs et la fin bien sûr de cette saison 2023. Bienvenue au sein du pré-show, vous pouvez le constater par vos yeux ébahis. Nous avons une équipe de rêve aujourd'hui pour vous mettre en appétit en prévision de nos 5 matchs de la soirée, avec bien entendu comme chaque jeudi le match de la semaine qui aujourd'hui va opposer le bouclier d'Aegis au Solari. Installez-vous confortablement, on espère que vous passez une bonne journée, que vous passez également une bonne semaine bien entendu. Aujourd'hui, bien sûr, League of Legends, c'est la star de la soirée. Enfin, la star, sauf si Tréton, bien sûr, avec son look bien rafraîchi, va pas rafler un petit peu tous les suffrages. Non, tranquille, on est là, on le file. You look fresh, bro. Mon outfit, je l'ai fait à partir de mes chaussettes, parce que c'était mes dernières chaussettes, du coup, c'est parti comme ça. Il n'y a pas de... Non, en vrai, je suis juste... J'en demandais pas tant, mais merci. Je suis en peace feeling, le coiffeur s'est bien passé. Carnage aussi est passé chez le coiffeur. Ouais. Je suis toiletteur en l'occurrence, et en vrai Carnage, petit tour. Je l'ai, ouais, on l'a, bah écoute, effectivement joli flow, on espère que tu vas bien entre temps. Ça va très bien et toi ça va? Bah merci beaucoup, ouais ça va, ça biche, je suis très content d'être là en LFL ce soir, et très heureux aussi de retrouver Rexma, top downer Uber Lilith au monde, tout de même ça se respecte la présence de tant de skills sur notre plateau. Bonsoir Marex. Bah merci beaucoup, bonsoir à toi, et c'est vrai que tu parlais de fraîcheur de Tréton, moi j'ai mis un petit pull aujourd'hui pour changer, j'avais un petit peu chaud, mais j'ai vu la coupe de Tréton, et là direct, la température était parfaite, et du coup j'ai hâte d'aborder ce pré-show avec les images d'hier qui étaient bien sympas notamment, j'ai vu ça de loin honnêtement, il y a eu quelques banger games, il y en a qui se sont mis bien. Absolument, on s'est mis plutôt pas mal, notamment toi et moi, Tréton, mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas hier soir. Eh bien, voici le récap. Géo Game Ward, bien sûr, les Game Ward qui étaient en série de 2 victoires, mais les Géo trop clean. Caillou, on peut résumer ça par Ragnar 1v9, 100% de KP en tant que Malphite dans une game qui a duré plus de 30 minutes. C'est plus que monstrueux. Tous ses ultimates étaient sur minimum 2 joueurs et très souvent en plus sur les carries. Il a été juste trop fort. Après, le reste de Géo a quand même bien suivi. En termes de draft, c'était malin de récupérer aussi le Azir et de le retirer à Twyer, ce qui est très très bon dessus côté Game Ward. Ouais, performance magistrale de Ragnar qui a bien entendu récupéré le MVP BDS Academy contre Aegis. Aegis qui devait rebondir, c'est chose faite. Clairement, sur le papier, on se demandait ce que ça allait donner parce que les BDS avaient montré de bonnes choses et la Aegis, semaine très difficile. Mais ils ont été au top. Une game un peu classique comme ils aiment les jouer, j'ai l'impression. Ça build lentement la partie, ça joue les dragons. Et bon, on n'a pas eu le temps d'en voir plus. Mais ils sont de retour pour ce match de la semaine dont on va parler juste après. Ça fait plaisir. Absolument, gros Syndra de AK. Les Solari, eux aussi, étaient très affûtés hier soir, notamment le mid-jungle. Ouais, le mid-jungle très fort. Peng qui a vraiment dominé sa phase de lane, qui a solo kill Backlund, qui a mis que des bons ultimates avec sa Nico. Il a été vraiment impressionnant. Toujours avec feedback aussi sur Rakan, qui fait fonctionner la composition en mid-game et qui prend aussi beaucoup de vision avec le général. Non, des Solari qui sont convaincants. Et du coup, on parlait de match de la semaine. C'est d'autant plus intéressant qu'on a des Solari en forme. Ouais, en forme, en confiance, tout particulièrement. On sait à quel point c'est une donnée importante pour cette équipe qu'on attend bien sûr ce soir. Hier, bien sûr, c'était le Carmin Corp contre BKR. On l'a dit assez souvent, ça aurait pu être un match de la semaine, Marex. Ouais, c'était un match de folie avec des pics qu'on n'attendait pas forcément. On a eu un petit Amumu, les Brooms qui commencent à faire leur retour et qui marchent plutôt bien. C'était le chaos dans la partie, même si c'était très calme au début de la game. Mais dans ce chaos, la Carmine a réussi à prendre des petits drakes au fur et à mesure de la game. Ils ont eu la soul, ça les a beaucoup aidés dans la partie. Et fin de partie assez dingue. Kalis qui a fait des petites dingueries aussi au teamfight et qui a permis à sa team de faire vivre, parce que c'était finalement très serré. En général, quand t'attends les 40 minutes dans des games comme ça, un fight peut décider la partie. Et il y a trop à voir et trop à dire sur cette game. Deux Elder Drake hein, tout de même dans ce match. On a terminé avec ITB contre Easy Dream. C'était l'arrivée de Scarface. Oui, qui a été... Alors en lane, en vrai, il s'est fait un peu bouger par Q, qui a fait une bonne phase de lane, mais c'est peut-être aussi le match-up. Mais derrière, en termes de teamfight, il a été très bon. Ceux qui ont été vraiment les plus forts côté Vitality, c'est vraiment la botlane Néon et Jack Troll qui ont archi-dominé Rayito et Clay, qui les ont même éclipsés de la partie. Le Kog'Maw Broom, ça n'a pas marché. Petit Daglas aussi sur Kayn, tout de même. Bah ouais, moi j'ai bien aimé cette game des Vitality qui ont... Bah, c'était une des games les plus lentes qu'on a eues du split jusqu'à maintenant. Ils ont vraiment... Voilà, ils savent qu'ils ont des bonnes individualités, qu'ils sont obligés de gagner la partie, donc ils ont fait une draft clean et l'ont joué assez lentement pour pas qu'il y ait de place au hasard. Et ce Red Kayn dont tu parlais, qui avait totalement sa place ici, parce que c'est vrai qu'avec les picks support qui reviennent comme des Braumes, des Nautilus qu'on a pas mal vu hier, ou même des Rakan qui sont vraiment omniprésents, bah tu peux facilement sortir du Red Kayn, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de draft short range finalement. Là dans les images, on n'a pas vu tant de Milio, Nami et compagnie, c'est beaucoup de Rakan, Nautilus, retour de Braumes et tout.
Donc c'était très bien senti et ça a totalement fait le taf. Les Vitality, voilà, qui avaient besoin de gagner ce match, qui l'ont gagné, qui sont toujours dans la course malgré le début difficile. Bien sûr, on les voit ici, les Vitality, donc en bas du classement, mais ex-aequo jusqu'à la 6ème position avec les LDL Soel, avec un Easy Dream et Game World qui referment la marche à 2-7. BK Rogue, Aegis et les Géo, bien sûr, bah, l'opposé pour le coup, 7-2. Pire démon au poker, mais en LFL, c'est pas mal. Pas mal, en LFL, c'est pas mal en effet, c'est intéressant. Là, évidemment, mais il a pas les lunettes de soleil aujourd'hui, donc pas sûr. Avec les lunettes de soleil, je pense que je l'aurais, mais sans, c'est un petit peu compliqué, mais pas si compliqué que ça pour les équipes qui sont en bas de classement. Parce qu'en vérité, même pour ici, pour Game World, on est à une game virtuellement d'être playoffable, puisqu'actuellement, les playoffs, c'est à 3 victoires avec la 6ème position qui est à égalité. Bon, ça va évoluer évidemment, mais tout ça pour dire que même le bottom est encore vraiment dans la course. Bien d'accord, il y a pas mal d'équipes qui ont un bilan en réalité négatif en termes de win rate, puisqu'on est sur le point de la mi-saison, 9 matchs disputés sur les 18 prévus dans cette saison régulière. Beaucoup d'équipes donc en win rate négatif, mais c'est également l'occasion pour nous de faire un petit bilan de mi-saison comme on en a l'habitude en LFL. Et on va commencer tout de suite, messieurs, parce qu'on a des choses de prévues dans ce pré-show. Donc c'est parti, le bilan. Donc on va commencer, voilà, on va regarder un petit peu les plus gros indicateurs. Je vous en ferai deviner quelques-uns après les deux premiers assets qu'on va contempler ensemble. La plus grosse série de victoires pour cette première partie de saison revient bien évidemment à Aegis avec ses 6 victoires. Le plus gros comeback ou le plus gros upset en quelque sorte, c'est le Easy Dream contre Aegis, qui était une surprise absolument incroyable. Alors je pense qu'en termes de croquettes, ça a failli marcher. On est d'accord. Et le meilleur glow-up par rapport à la saison précédente, bien sûr, ça revient aux BK Rogue qui sont actuellement premiers, certes ex-aequo, mais premiers tout de même de la LFL. Clairement, des premières parties très convaincantes avec leur petite hache et tout, ils sont arrivés en forme dans la méta, les BKR, et ils ont vraiment maintenu tout ça en termes de niveau de jeu, donc solide. Qu'est-ce qu'il y a de raison ? En termes de position gagnée, la Carmine ne doit pas être loin aussi, vu qu'ils partent de très loin. Oui. Mais je pense que Becker, t'as raison, est devant. C'est ça que je réfléchissais dans ma tête. Plus ou moins au coude à coude, les Becker Rogue et la Carmine Corp. Plus haut. Jusqu'à la dernière semaine, en fait, surtout ça qui a changé. Parce que les Becker Rogue, en gagnant leur dernier match, ont gratté 2 places par rapport à la Carmine. Donc oui, effectivement, on y a pensé aussi avec Zenesis, notre analyste. On passe à la set suivante. Pardon, Carnage, je ne t'ai pas du tout écouté, mais vas-y. Oui, voilà, les plus grands indicateurs en termes de joueurs, de KDA, de toutes ces choses-là qui nous plaisent tant. Le meilleur KDA. Il revient, bien sûr, à la chèvre de la LFL, à EK, 10.3 de KDA après 9 matchs. C'est impressionnant et c'est rien de le dire. En termes de DPS, bien Caliste qui s'impose avec une très très bonne saison hein, jusqu'à présent de son côté. Et le meilleur tank, parce qu'on aime aussi les tanks, mine de rien. Il faut leur rendre hommage et dégâts absorbés. C'est très important, Tréton. Bien oui. Là, c'est Howling, il nous l'a encore prouvé hier. Il est fort, Howling. C'est bien parce que les stats tombent à merveille, parce que de mon point de vue, c'est peut-être les 3 meilleurs performeurs chacun à leur poste. Vraiment, ils sont tous très très bons dans des stats très importantes. Et Howling, on en parle moins que les deux autres. Et en vérité, il fait quand même un split de loco lui aussi, avec Ragnar au coude à coude, je pense. Absolument. Vous avez vu cette petite stat, elle vous plaît ? C'est les dégâts tankés par mort. Alors, dégâts mitigés, bien sûr, ça prend en considération le stuff. Sinon, la régénération des bruisers viendrait piper un petit peu les stats. Mais on est quand même sur 45-47 000 points de dégâts tankés par mort, c'est une belle stat, je trouve, et ça montre un peu l'importance que peuvent avoir les frontliners. Parce qu'il faut jongler avec la barre de points de vie, c'est pas évident, Marek. Ouais, clairement, il joue parfaitement son rôle, et c'est bien de le voir dans ces stats-là, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus explosif des dégâts tankés VS des personnages, des carries comme les autres qui font des kills énormément de DPM. Mais on l'a vu être très très bon, apporter enfin toujours le play juste et c'était pas. Et dans ce tanking, c'est aussi un joueur on pourrait mettre ça en parallèle, qui a mis aussi énormément de dégâts dans ses parties. Même quand il jouait des tanks, il était dans les top damage dealers avec des poppy, etc. Si je me trompe pas, il est capable de s'adapter à pas mal de styles. Et c'est vrai que discrètement, il fait un travail de fou chez les BKR et il est l'une des raisons de leur grand succès jusqu'à maintenant. Et c'est une équipe qui devrait aller loin, notamment grâce à ce joueur qui est maintenant bien dans sa team, bien installé, capable de jouer pas mal de choses différentes. On l'a vu hier, au fil des semaines, notamment hier. Donc hâte de voir la suite, mais peut-être un joueur qu'il faut vraiment garder à l'œil. Un véritable banger, absolument. Un très bel investissement de la part de BK Rogue. Messieurs, maintenant, place aux petites devinettes. Je vous posais des petites questions simples, je vous demandais de répondre un petit peu rapidement malgré tout. Je vais demander tout d'abord, pour commencer, quel est selon vous le champion le plus détesté jusqu'à présent en LFL ? Plus détesté veut dire le plus banni, celui qu'on ne veut pas voir dans nos phases de draft. Celui que les équipes détestent, vraiment. Ah, Berk, oh non, on ne veut pas. Yumi, probablement. Peut-être Vi. J'hésite entre Milio, Zeri et Yumi, je dirais. Moi, je mets Vi.
Ouais, je pense que c'est. Ouais, je vais dire Zeri, mais va, il y a moyen que ce soit un bon choix. Bah, très bien, bonne réponse, mon cher Tréton. C'est la vaille 36 ban, tout de même pour vaille de Arcane, hein, bien sûr, si vous ne la connaissez pas. Je l'ai. C'est vrai que les premières semaines, on ne l'a pas vu du tout. Ouais. Le champion était permaban. Après, il y a eu quelques picks open. Et surtout, on la voit un petit peu, mais surtout que quand elle est open, elle est instantanément pick. Mais dans toutes les autres games, c'est vrai qu'elle est très, très souvent. 36 ban, c'est absolument gigantesque. À l'opposé, champion le plus adoré, celui qu'on veut dans toutes nos games, qui n'est pas vraiment banni. On aime bien la voir dans nos lobbies et les équipes. Le ou la sélectionne en permanence. Harry ou Aphelios ? Harry ou Aphelios, il faut choisir. Harry. Petit Harry ou petit Cassanté ? Cassanté, Harry et Cassanté, réponse en image. Il s'agissait bel et bien d'Aphelios, avec 30 sélections pour ce carriadé. Franchement, moi, je ne suis jamais triste d'avoir un Aphelios dans la game. Oui, c'est très très stylé. Et puis, il y a tellement d'ADC qui ont fait leurs armes sur Aphelios en LFL. On pense à Zeki Gravny l'an passé, qui était très très bon. Et là, on a clairement la relève avec Kaliste et Trigger, notamment, qui se démarquent sur ce champion. Messieurs, on va passer maintenant au win rate, champion ou championne avec le plus de victoires. Alors, je précise un petit peu, il faut un échantillon minimum, bien sûr. Cet échantillon minimum, il est au-dessus de 10 sélections. Donc, il y en a qu'un à chaque fois ? Bah, j'ai ma petite idée. Non, il n'y en a qu'un seul. C'est dur, champion avec le plus haut win rate, avec un taux de sélection supérieur à 10 games. Moi, j'ai fait mon choix, du coup, je laisse Tréton dire un premier spoil influencé. Je pense Rakan. Rakan. Réponse en image. Solari notamment a dû faire du bien. Ouais. Probablement. Et non. Il y a 10 minimum. Mais oui, mais il y a aussi des games bannis pour le coup. Ah, on n'a pas calculé ça. Ah oui, non. J'ai peut-être pas été clair sur ce que voulait dire sélection, mais Poppy a été sélectionné 7 fois et banni 7 fois également, ce qui donnait un résultat supérieur à 10. C'est dur à trouver, mais la Poppy, c'est vrai que. Bon, on parlait d'Oling tout à l'heure. Ouais, c'est une exception. Et effectivement, Oling a beaucoup participé à la popularité de Poppy et également au poste de jungle. Ça a été un pic très important et donc quasiment synonyme de victoire lorsqu'elle est dans la faille de l'invocateur. On va maintenant passer au... Bon, là, c'est une recommandation de notre analyste. Le fameux, Marex, toi, joueur de mémo, le fameux Kiki Meter, pour le coup, tu connais bien entendu cette donnée, c'est le damage meter. C'est avoir la plus grosse, et la plus grosse, c'est faire le plus de dégâts, grosso modo. C'est le langage de MMO player. Quel est le champion qui a le plus gros Kiki Meter, donc, selon vous? Sur combien... Azir, je pense, mais sur combien de games? Le plus gros DPM, pour être plus précis. Oui, mais c'est sur combien? Ça peut être sur un triple nombre. Il y a des petites restrictions comme avant? Non, il n'y a pas vraiment de restrictions, puisqu'il faut beaucoup de games pour avoir un haut DPM. Bien sûr, s'il y a un champion, genre s'il y avait un Karthus sélectionné une fois, on ne l'aurait pas mis. Mais c'est un. Azir, Aphelios, Zeri, ouais, mais. Je vais sortir un petit. Moi, j'ai Azir. On n'a pas toute la nuit. Zeri. Azir, eh bien, réponse en image. Bah, messieurs, c'est Lucian. Ah ouais? C'est Lucian qui envoie le plus de patates. Bah, moi, ça me surprend. Avec son ami, avec son milieu, ça cogne. Ah, ça doit être pas mal dû à la semaine dernière. La semaine dernière, il me semble qu'il y a eu genre 3-4 Lucian qui ont gagné toutes leurs games et rachetées. Parce que les games de Kalis sur Lucian aussi ont farmé le DPM, je pense. Complètement, il y a eu de grosses performances assez marquante de la part des meilleurs joueurs de Lucian de la Ligue. Bon, ça ne se joue pas à grand-chose non plus, mais Lucian a quand même une petite longueur d'avance. Maintenant, l'autre indicateur, on parle de dégâts infligés, maintenant parlons de dégâts subis. Champion qui subit le plus de dégâts au long de cette LFL. En moyenne par game, c'est ça ? En moyenne par game, oui, je crois que c'est bien ça. Malphite ? Par minute, dégâts par minute subis, pardon. Malphite ou Sejuani ? Malphite ou Sejuani pour Tréton. Dégâts par minute. Il y a des pics minimum ou pas? Bah, ça peut être Sion, ça peut être Ornn. Bah, Sion, hein, si Sion, je dirais. Bonne réponse, Marex. Bonne réponse. C'est le Yonce, bien entendu. 2710 points de dégâts tankés par minute. Par minute! Mais c'est ridicule. C'est énorme. C'est ridicule. Ouais, ça n'a aucun sens. En vrai, la stat n'a aucun sens. Quand tu le mets au rapport au DPM de Lucien qui fait 700. Ouais. Il manque 2000 de DPM, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ah, il y a les boucliers, il y a l'intimidation de tank, bien sûr, ce sont les dégâts mitigés. Ça compte ou pas? J'imagine que ça doit tanker. Ouais. J'ai pas posé la question à notre analyste, mais je pense que ça doit effectivement être une donnée importante. Tu regardes l'artwork de Sion, tu sais qu'il est là pour tanker. Cassanté était pas très loin. Ouais, pour votre information, Cassanté était pas forcément très très loin, mais Cassanté était très loin au contraire, parce que Cassanté n'est pas tant tapé que ça. En réalité, on reste loin de Cassanté de manière générale pour éviter bien sûr le fait d'être puni. C'est une frontline très bizarre, parce que c'est une frontline qui a de la mobilité, qui dodge les trucs, c'est un frontliner qui se met devant les skillshots.
Bon, messieurs, on va maintenant passer, bon, point de mi-saison, on va dresser des All-Pro Teams. Il y en a deux. Okay. Il y a la Team 1, il y a la Team 2. Est-ce que vous voulez vous tenter une petite draft de All-Pro Team, là, comme ça? C'est plus sur les stats? C'est sur l'agrégat statistique qui fait le plus briller les différents postes. On ne prend pas les mêmes données au poste de support et de top okay. laner, mais ouais. L'agrégat est quand même, malgré tout, bien optimisé par notre staff analyste. Moi, je dirais Eka, Calice. Et tu seras le seul à proposer parce que vous prenez trop de temps. Venurem, Oling et Jungle, j'en sais rien. Jungle, j'en sais rien. Très bien, réponse en image. Zlatan. C'est Zlatan. Bien, on regarde. Peut-être Zlatan, mais... Et non, messieurs, c'est Pricetalker, le jungler, le Jot, le jungler of all time jusqu'à présent en LFL. Ragnar, bien sûr, au poste top laner, Eka sur la mid lane et la bot lane, c'est Kaliste et Targamas. On a la Team B, bien entendu. Je pense que ça va vous intéresser parce qu'on a un Tukui, bien sûr, qui s'impose ici au coude à coude, vraiment, avec Checolade et le reste de la line-up, Bekarog, Oling, Trigger, Venio avec Syncroft. Bien entendu, au poste de jungle, il y a la l'intégralité ou quasi-intégralité des Bekarog sur le All Pro Team 1 et 2. Ah, mais il y a l'intégralité vu que il n'y a pas de Checo. Ah, c'est pas Checo, tu m'as dit. Ah, oui, non, c'est Tukui et Eka. Ah, non, t'as raison. T'as raison. Mais c'est impressionnant et c'est normal. C'est normal de les revoir du coup au top. Et en plus, Checolade, comme tu l'as dit, ils sont exposés à Tukui. Et c'est pas non plus un joueur qui est mauvais, loin de là. Donc vraiment, les Bekarog sont juste au-dessus de la ligue dans cette première moitié de split. Et tous les joueurs, respectivement, à leur poste, je trouve que c'est une donnée extrêmement impressionnante. Là où on peut pas forcément en dire autant de la Carmine ou d'Aegis, par exemple, pour ne citer que. Ouais, clairement. Et surtout que les Bekarog hier étaient vraiment à. Enfin, la game était ultra serrée. Ils étaient à deux doigts de remporter une game qui aurait encore plus joué dans tout ça et qui les aurait mis vraiment en numéro 1 de très loin. Bon, ils le sont tout de même, mais c'est pas comme s'ils avaient gagné hier, mais c'était très serré. Voilà. On est bien d'accord, donc grand hommage et grand respect au Bekarog. On va passer maintenant au programme du jour, vous le connaissez certainement un petit peu déjà, mesdames et messieurs, le match d'introduction qui arrive dans une petite dizaine de minutes va opposer les Game Wards au Easy Dream. On enchaînera avec Bekarog dont on parlait contre Vita et TB au Link Scarface, ça va être palpitant. BDS Academy contre la Carmine Corp, le match de la semaine entre Solari et Aegis, et on terminera avec Géo LDLC avec les Géo qui... nous ont sorti un petit c'est pas sorcier la LFL très fort sur les RS, vraiment on vous le recommande chaudement. C'est qu'on parle beaucoup de la communication de Géo, mais franchement ça n'a rien à voir avec Duke, c'est juste à juste titre. Ah non, mais leur communication vraiment ce qu'ils font c'est pixel et très très bonne, et j'ai pas eu le temps de voir la communication de Solari. J'ai vu qu'il y a une vidéo qui est sortie aussi, ils en ont fait pas mal hier, donc Solari aussi en termes de communication j'ai vu Astérix bien sûr, et Carmine et Ro en train de pas mal faire de banter aussi, donc pour moi les trois structures là, j'ai vu le même avec Saken en Michael Jordan et exactement tout, ça fait beaucoup vivre la ligue et c'est très très cool qu'elle le fasse. Voilà, incroyable le contenu clairement de nos équipes, et incroyable tout particulièrement le contenu vidéo de Géo. Le cru d'aujourd'hui est vraiment particulièrement excellent, pas mal, excellent plutôt. On va parler du match de la semaine avant de passer à la suite de ce pré-show. Le match de la semaine, c'est bien sûr Solari contre Aegis. Et si je vous parle de ce match, eh bien, c'est évidemment parce qu'il y a des données qui ont un petit peu évolué. On va d'abord commencer par parler de Steelback et de parler du poste de support, parce qu'il y a un Solari avec Steelback sur Rakan. Et il y a un Solari avec Steelback qui n'est pas sur Rakan. Et en image, le bilan est assez clair, hein, pour être tout à fait transparent. Oh, les mages. Voilà, nickel. On parle pas comme ça à la prod, enfin, bah, monsieur. Si. Mais non. Bah, si, un carnage, alors pour le coup, aussi. 4 victoires sur 5 games avec Rakan joué. 0 sur 2 pour Lulu. Une victoire, une game 100% murette avec Yumi, c'est dégueulasse. Et bien sûr, Midio. Bon, voilà, on n'aime pas trop cette recette-là, mais bon, Rakan, juste voilà, notion capitale pour les Solari. Ouais, c'est la recette qui fonctionne, avec un jungle aussi qui aime bien jouer agressif, aux limites, etc. Ça paraît logique qu'avec Rakan, ça fonctionne mieux et ça se coupe le mieux niveau jungle support. Et bah, c'est le pic sur lequel il s'est toujours bien illustré. Il y a aussi le Thresh un petit peu, même si c'est inexistant dans la méta, mais son Rakan est solide depuis un moment maintenant et a fait beaucoup de bien au Solari. On verra comment il rentrera dans les débats de la draft du match of the week. Supprimé surtout. Surtout aussi la first pick hier. Donc ouais. Soit Antera va avoir une réponse de fou, soit ils vont juste le ban. Et je pense que le ban est la meilleure solution contre Solari. Je suis bien d'accord. Mais s'il y a bien une donnée qui a changé dans ce match-up Solari contre Aegis, parce que Shones a notamment posté les résultats des derniers matchs et les Solari sur les deux dernières rencontres n'ont pas dépassé la barre des 5 kills, hein, tout de même, sachant que la dernière rencontre entre les deux teams, c'était quasiment une perfect game, hein, quand même, qui a été délivrée par les Aegis. Il y a une donnée qui a changé, qui est très importante, c'est le glow-up de Peng, mesdames et messieurs. Et face à Eka, il en faudra
au moins autant que ça pour pouvoir venir le déloger. Alors, si vous voyez Peng sur les trois premières games, donc effectivement des indicateurs relativement low. Par contre, il est bien sûr encore et toujours sur sa Chop and Pool favorite, avec le jeu des bans et tout. Hein, ses pics sont relativement safe. Des PM très bas. Enfin, vous voyez son ranking hein, globalement sur les 10 midlaners qu'il y a dans la ligue. Non, mais c'est, c'était un faux départ. Oui, c'est clairement un faux départ. Maintenant, regardons le glow-up sur les six dernières games. Donc, l'échantillon est encore plus large. Et malgré ça, les stats sont tout à fait délicieuses. Clairement. Et on, c'est peut-être dû aussi à la dynamique d'équipe. Parce que, comme vous l'avez dit, les champions n'ont pas changé. Les champions qui lui conviennent, c'est aussi des champions qui sont bien dans la méta. On l'a vu hier confirmé avec la Nico sans aucun problème. Il a même fait une excellente game. Donc, franchement, un Peng en forme, une équipe en forme, et les Solari, franchement, qui reviennent de loin, parce que le début, c'était monté jusque 0-3, si je ne dis pas de bêtises. En général, quand tu as un start comme ça, tu commences vite fait à avoir des pensées sombres et tout, mais tac, ils ont direct comeback, et maintenant, ils sont dans le haut du panier, sachant que, comme on l'a vu, il y a 4-5 équipes qui sont vraiment en dessous au niveau des victoires, donc ils sont dans une très bonne position dans cette LFL, et s'ils gagnent ce soir... C'est la faut folie. Faire attention malgré tout, hein, puisqu'il y a quand même des indicateurs qui sont assez bas, le CS par minute, le DPM, enfin Peng est un midlaner très disponible en début de partie, mais ce n'est pas le carry principal de l'équipe, ce qui revient toujours à Tekset et bien entendu Shlatan dans une autre mesure, mais tout particulièrement Tekset. Donc attention malgré tout à ne pas s'épuiser face à cet homme, bien sûr face à la midlane incarnée en LFL, à EK qui est toujours au sommet. Et je dis bien sommet de son art. Non, mais les stats sont vraiment délirantes. Hier, il a fait une très très bonne game. Où il y a une semaine qui était un peu plus compliquée pour Aegis, mais il a lui-même expliqué par des drafts qui étaient plus difficiles à jouer. S'ils font les choses basiques, les Aegis sur les drafts du moment, c'est vraiment l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de l'FL. Il va falloir arracher EK, et très franchement, Peng, il a du pain sur la planche. Ouais, bah en fait, autant de stabilité couplée à autant de champions et de styles différents, avec notamment la Thalia qui est l'un des seuls à avoir joué, bah ça en dit long sur le joueur, surtout que c'est pas juste cette saison, c'est quelque chose qui dure avec EK, donc c'est vraiment l'une des valeurs les plus sûres et l'un des joueurs qui apporte le plus de toute cette LFL. On le voit au niveau des stats des champions joués, il n'y a rien à dire. Ah, ça va être un superbe match-up si jamais on a une Mylène Solari qui parvient à déranger EK en personne. Mesdames et messieurs, avant de passer à la suite de ce pré-show, eh bien, on va rentrer dans un segment maintenant un petit peu plus léger. Vous le savez, nos commentateurs ont beaucoup d'expérience, ils ont aussi beaucoup de personnalité. Les traits, bien sûr, appartiennent à chacun. Traiton, par exemple, est... Ouais, traitons, mais du coup voilà, nous avons certains commentateurs qui ont des traits de personnalité assez appuyés. Certains sont plus doux, d'autres sont plus autoritaires, certains veulent absolument avoir raison, et on a un de nos commentateurs qui vous a préparé bien sûr un petit segment bien piqué au sommet de son art. Je vous laisse découvrir tout de suite de qui il s'agit. Bienvenue en Frictature. Aujourd'hui, je vais tester vos connaissances et leurs connaissances sur les joueurs de LFL. Pour ça, bon, il va y avoir un petit jeu sympathique, très sympathique. Il va y avoir 4 indices qui vont apparaître progressivement derrière moi, et le but, ce sera de deviner quel joueur se cache derrière ces indices. Ça va être drôle. Bon, c'est assez simplement expliqué. Bien entendu, si vous l'avez, vous vous taisez. Parce que ce qui importe, en fait, c'est que tout le monde l'ait à la fin. Qu'on comprenne. Faut pas reveal dès le début. Oui, je parle à toi, Traiton. Très bien, monsieur Schrick. Je t'ai pas parlé. Ok. Bref, on va en parler. Je vais vous donner. Vous avez compris, on est d'accord? Ouais, ouais, on l'a. Enfin, c'est bon. Ouais, t'inquiète. j'ai compris. Faut essayer de trouver, mais faut pas dire qu'on a trouvé. Donc, Non, mais je t'ai pas parlé à toi avant. Donc. Ah ok, bon, pas mal. Allez, on va faire un tuto, d'accord? Le tuto, il est très simple, il est pas difficile, je vais vous donner des indices. Bon, vas-y, tu peux les envoyer, hein, c'est parti, hein, les tutos. C'est juste pour que vous voyez si vous avez compris qui est le personnage. Normalement, on va s'arrêter entre chaque image, mais ici, on s'arrête pas. Je l'ai. Vous l'avez? Ils l'ont? Vous l'avez, vous? Vous l'avez? Vous pouvez le dire. Ouais, je crois que je l'ai. Ouais, ouais. C'est qui? Il s'appelle Jean-Philippe. Ouais. Robalas. Ouais. Et c'est quoi son trait de caractère? C'est la barre espace et le fait d'être producteur, mais d'être... De dire que c'est le plus grand producteur de tous les temps, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Mais bref, ça, c'est un truc Twitter. Tu peux essuyer là, hein, c'est bon. Ok, parfait. Donc, ouais, c'est Carnage, évidemment. C'est le plus important. C'est quoi ton problème? Non, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est Carnage, c'est ça, c'est Carnage. C'est Carnage. Ouais, j'ai dû flouter parce qu'il était un peu. Oh, agressif. Ouais, très, très agressif. En plus, là, je vois les signes faits. Je vois les signes faits avec ses mains, et je vois aussi un t-shirt UFC et tout. Ce mec n'a l'air de pas rigoler, honnêtement. Ouais. Voilà, si je le connaissais pas, je serais là.
ta remarque n'était pas nécessaire, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer ici. Avant de continuer... J'arrête de participer. Ok, cool. Le chat, vous pouvez participer, évidemment, parce que voilà, c'est le but. Même si j'en ai rien à foutre, je dirai pas vos messages dans tous les cas. Mais vas-y, on va passer au premier indice. Et B. Le GOAT. Parfait. Ah, allez. Non, c'est une licorne, pardon. C'est une licorne. Alors, petit indice, c'est important. Ce mec, c'est vraiment le mec. Voilà, c'est pas masque de licorne.png. C'est la personne que vous devez deviner. Ah, d'accord. Si vous ne le connaissez. Les gens dans le chat l'ont parce qu'ils le connaissent. Tu le connais, toi ? J'ai le droit à une question ou pas ? Non. Allez, deuxième indice. Deuxième indice ! Merci, excuse-moi. Bon, c'est l'ancienne équipe. Là, il va falloir travailler. C'est plus pour Twix parce que Marek, il ne suit pas LOL depuis longtemps. C'est un nouveau joueur. On peut dire le nom de l'équipe ou. Tu connais on l'a tous. Ouais, je l'ai. Vas-y. Bah, moi aussi, je l'ai. Non ? Bien sûr. NIP ? Le nom de l'équipe. Non, mais tu comprends, il faut deviner le joueur. Mais il n'a rien compris. Mais c'est dingue. Mais on l'a tous. Okay. Vous avez le joueur. C'est pour aider les gens, c'est pour aider les gens chez eux. Non, moi j'ai juste le shuriken perso. Oui, ça c'est Nip, c'est Ninja in Pyjamas. Il a participé à cette équipe. D'accord. Je suis pas sûr que vous avez compris le but du jeu, mais bon. On va faire. Vas-y, envoie le troisième indice. Parce que... Mais vas-y. Faut vraiment que tu arrêtes de parler. Troisième indice. Bon, qu'est-ce que tu peux me décrire l'image, Tréton? C'est un mec qui doit porter au moins 100 kilos parce qu'il porte deux Trétons, c'est-à-dire 2,50. Je crois que je l'ai, notre joke. Du coup, qui porte. C'est cool, kilos. Mais j'étais. Voilà, on va attendre les deux autres. Ok, bon, moi j'arrête de participer alors. Non, tu peux participer, je suis désolé, excuse-moi. Non, c'est pas. Ça sert de caractère, je suis. Oh là là. Allez, bon, vous l'avez pas. Tu l'as ? Je sais pas, non, je suis pas okay. sûr. Ok, bon, mon client peut soulever deux fois ton poids facilement. Maintenant, le quatrième indice, c'est le plus important. Mais là, il va être trop simple. Ah. Non, tu peux pas froncer les sourcils ! Mais tu sais que notre joke, je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Tu l'as pas ? Bah, on va laisser juste Tréton jouer si ça vous va, monsieur. Ok. Frick. Non, mais je peux tenter ou pas ? Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Attends, Marek, tu l'as, on est d'accord 100%. Je pense, oui. Pas d'accord. Sûr, mais. Vu que tu l'as 100%. Oui, je pense, oui. Tu l'as 100%. Cabane 2-3 ? Bravo, c'est Cabochard. Bravo, Tréton ! Oui, je ne lève pas deux fois mon point. Bah, on testera à Nice la semaine prochaine. Ok. Vraiment, reparle encore une seule fois, coupe-moi la parole encore une seule fois, tu dégages. Okay. Il y en a un autre, monsieur ? Il y en a un autre, mais en fait, c'était son stream. D'ailleurs, je termine mes explications, vous pouvez le voir. Il fait ça en plein stream. J'ai dû chercher des best-of qui datent de 6 ans. Et voilà, Caliste a nié les faits quand je lui ai présenté la photo à Cabochard. Cabochard a dit que ce n'était pas lui sur la photo. Mais il a perdu combien de games après la photo ? J'ai dit quoi gauche, par rapport à couper la parole, en fait ? Ah, mais ça, je m'en fous. Ok. Tu disais quoi, non ? Non, je me demandais combien il avait perdu solo queue avant la photo en haut à gauche. Parce que il a l'air un petit peu. Un peu énervé, quoi. Un petit peu. Ça va. Personnellement, il me fait plus peur que toi, perso. Mais... Allez, bon, vas-y, envoie-moi le deuxième personnage. J'ai plus envie de rester là, donc vas-y. Deuxième indice. Il n'y a que deux personnes à deviner. Voilà. Bon, n'essaie pas de zoomer. J'ai flouté volontairement. Ça sert à rien de te rapprocher de l'écran, Tréton. Idée. Non, mais c'est parce que je vois pas bien. C'est une dinguerie. Je vois pas bien. Je me rapproche. Ok. Ton assiette est éclatée, c'est mais bon. C'est... Hein. Tu crois c'est que tu payais pour faire ça ? Bah oui. Bah non. Ah merde. Allez. Donc, ouais, il a été gagnant du Spring Split Playoff, hein. Pas la coupe après, quoi que ce soit, et d'une autre année que je ne citerai pas, sauf si tu me passes moins 20 balles, peut-être. Non, c'est sûr. Ah, ouais. Non, je peux me faire raqueter comme ça, non, c'est un budget. Non. Ok, bon, vas-y, on passe au deuxième. Vas-y, deuxième, on voit, ça m'énerve. Il a joué avec toi. Oh, le pauvre. Il a joué avec moi ? Il a joué avec toi. Bah, je pense que je l'ai. C'est trop dur. Il y a tellement de gens qui ont joué avec lui. Ok, fais-moi la lettre, mais Tréton, regarde pas. Fais-moi la lettre. Ferme les yeux, Tréton. C'est long, là. Bah oui, fais, frère. Non. Non. Troisième indice. Moi, je pense que je l'ai, parce que si tu veux faire un truc dur, je pense l'avoir. C'est dur, oui. Troisième indice, envoie-le-moi, regarde, il est caché par mon corps. Vous l'avez dit, c'est quoi des bûches. C'est du bois. Je suis sûr que dans le chat, ils l'ont tous, ils sont là en train de spammer en mode... C'est du bois, point JPEG, d'ailleurs, je précise. Hein ? Très bien. Donc c'est un tronc. En vrai, c'était un test pour tester vos connaissances, mais on peut aussi passer ça pour un test de QI. C'est ça qui est fantastique, parce que j'ai donné la réponse dans le troisième indice, mais on va envoyer le quatrième indice, vu qu'il a l'air trop compliqué pour vous. Bah, héros. Ah, ok, c'est bon, j'ai. Il y en a que deux. Non, attends, dis-le direct. Dis-le. C'est au QI. Bravo. Bravo. Oh, t'es trop fort. C'est dur, frère. Vous êtes fort. Bah non, Loïc... Il s'appelle comment, Loïc ? Loïc Dubois. Dubois. Je l'ai fait sans cet indice. T'as joué avec lui, tu t'en souviens au moins que t'as joué avec lui ? Ouais, mais c'était tard l'époque. Et il a même arrêté sa carrière quand tu l'as joué avec moi. C'est pas une bannée, il était chez jouer BTR. Avec toi était pire que jouer au LCS. Il était chez BTR, il a dit j'arrête ma carrière. Vraiment, j'arrête de jouer. Ah d'accord, et le reste tu t'en souviens, il a gagné les playoffs et il est allé en NA, c'est bon ? Ouais, bah les NA m'ont pas mal aidé, je vais pas te mentir. Ouais, 2020 c'était vraiment son année, hein. Merci beaucoup mon cher Shrik. Autre chose à rajouter, maître Shrik ? Non, tu voulais dire un truc, Marek ?
Non, mais je ne croyais pas trop le dernier. Tu payes genre, pas, c'est pour Justice League. Ok, ça marche. Okay. merci beaucoup, mon cher Shrik. Voilà, mesdames et messieurs, petit format de quiz. Son quiz est meilleur que le mien, je dois avouer que c'est quand même plutôt sympa, mais il est très autoritaire hein, quand même. Hein. On va aller en parler après. Je le connaissais pas sous ce jour-là. J'étais assez intimidé. Ah, il est comme ça d'habitude. C'est juste avec moi où c'est un peu une exception. Non, mais on s'occupera de lui après. On s'occupera de lui après, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on va s'occuper des pronostics. Il était pas mal son rébut en réalité. Il était assez bien inspiré aujourd'hui. Attends, mais tout le monde a mis la même chose. Ah non, pas trop, en vrai. Ah si, ouais. Non, il y a juste Réton qui a tenté un petit Vita. Tenté un petit Vita. Contre BK Rogue, et t'as tenté un petit Solari également contre Aegis. Et Shrik aussi a tenté un petit Solari, en vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément une référence, je dois avouer, vu son ranking au niveau des pronos. Donc ce soir, tu passes derrière moi, mon cher Réton. Non, je pense pas, non. Tu penses pas, très bien. Marek, une remarque sur tes pronostics, tes investissements de la journée. On est copié-collé, toi et moi. Moi, ça me rassure beaucoup. Ça me rassure. Après, je suis assez lourd dernièrement, mais heureusement que Shrik est là pour filet de sécurité. Oui. Et voilà. Bien entendu, Twitter est extrêmement élevé également. Toujours Robalas en pole position, talonné de près par Glopo. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà qui conclut notre pré-show. On va passer au match d'introduction donc pour l'entrée dans ces matchs retour de LFL. Le match d'intro, on l'a vu il y a quelques instants, c'est bien sûr l'opposition entre Easy Dream et Game World. C'est tout de suite après le teaser du match de la semaine entre Aegis et Solari. Ce match, il est pour nous tout simplement parce qu'on est la meilleure équipe. Je pense que quand on est en forme et quand on est dans notre confort zone, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Tout en restant prudent, mais que dis-je ? La prudence, c'est pour les faibles. Sylvain Queen, il a une stopwatch pour se sécuriser. Déjà deux qui récupèrent instantanément par les Solari. On transforme ça en 3 parce que Twyers est 100% condamné. La plus grande force de mon équipe, c'est le teamfighting. Aussi à créer les fights au bon moment. Ça va être vraiment bleu. Là, du côté de Meloni, Chatan dans la backline qui est en train de se battre un peu tout seul. Y a-t-il des renforts pour Chatan ? La réponse est oui. Quel boulot du jungler polonais, véritablement. Lady Dream sont en difficulté, triple kill pour Tex et Tessa Terry. Raito qui va être obligé de faire encore un triple kill. Et ça va être un autre triple kill. Et un autre triple kill pour Tex. Les n'ont pas vraiment de choses contre nous. Je pense que le premier match de début de saison, c'était un peu une petite glissade. On a pas mal imprové et malgré notre 0-2 week, je pense qu'on arrive très confiant et on pourrait être largement les favoris pour ce match. Ignite qui est parti. Oh, c'est bon. Quel superbe setup, quelle synergie. Et le premier reset, bien entendu, flash de la part de Caminus. Mais c'est un doublé pour Shigalari en 4 minutes de jeu. Si on joue à notre meilleure level, pas de raison qu'on l'emporte pas de loin. Shigalari, on y va totalement ce dragon, les Aegis qui vont récupérer au prix de leur attaque. Shigalari le deck d'Epeco. La plus grande force de notre équipe, c'est clairement de savoir bien jouer autour des objectifs et de se retrouver très facilement en team fight. C'est là où on excelle. Attention, l'Instat en difficulté. Par le Medjay de Eka. D'Aegis, qui va auquel justement les ronces qui apparaissent, et simplement le barreau d'honneur des jeux qui sera de courte durée. Eka est légendaire, mais on le savait déjà à tout coup, avec un ultimate qui sera une véritable clim. Jésus qui est obligé de se réfugier dans sa fontaine, mais même là, il n'est pas en sécurité. On a pas eu, attention, l'engage instantané sur Ricker et on a le DPS pour le faire tomber. Non, c'est pas mal, mais l'Equalizer est dévastateur. On se repose tout du côté de l'agneau. Le retour de Blumet, Tex7 qui fait DPS, Tex7. Ça va être un ace en faveur des Solari. Quadra kill.
Et nous sommes lancés, mesdames et messieurs, deuxième journée de cette semaine de LFL. Début des matchs retour, Marex, hein, voilà, petit événement forcément, on revient une nouvelle fois sur toutes les rencontres qu'on a déjà vécues. Et donc Game Ward contre Easy Dream pour commencer cette phase de match retour Game Ward en Blue Side. Clairement, match super important, les deux équipes en 2-7, mais pas si loin que ça des potentiels playoffs. On l'a vu, il y a vraiment 4-5 équipes qui se détachent du reste, mais il y a encore voilà, une ou deux places de playoffs pour l'instant par rapport aux win-lose qui sont atteignables par toutes les équipes. Ce qui rend bah, ces matchs très importants, comme tous les matchs aujourd'hui, qui sont tous très importants et pour lesquels c'est dur de savoir comment ça va se passer. Ça devrait être assez serré entre bah, nos 10 équipes de LFL. Ouais, les Easy Dream qui avaient battu les Game Ward au match aller, et ça a longtemps été la seule victoire des Easy Dream, tandis que les Game Ward ont réussi à remporter leur premier match il n'y a pas tant de temps que ça finalement. Donc voilà, deux équipes dans tous les cas en manque de points. Et forcément, tu regardes l'adversaire et tu as envie de te dire, bon, aujourd'hui, c'est toi qui seras au fond du gouffre, ouais. Pas moi. L'enjeu est grand, bien entendu, et on ouvre avec un Milio côté Game Ward. 3 midlaners quand même, ban par les Easy Dream. On considère fortement l'impact de Two Hoyers. Mmh, tout à fait. Et là, ça Syndra disponible. Tout à fait, c'est vrai. Il n'avait pas eu la meilleure game dessus en tout début de split, mais le split passé, il avait fait des games de fou avec. On sait ce qu'il peut réalisé sur le pic avec aussi au rôle de support. Les choses commencent un petit peu à bouger avec Broom qui fait un peu plus son apparition, les Nautilus qui reviennent aussi, Léona pas tant que ça, c'est pas ce qui a le mieux fonctionné. Voilà, on a un peu plus de diversité, on a des bans éventuellement à faire en plus avec le statique, tout ça. On voit que les Leblanc sont ban, on a aussi Azir qui fonctionne très bien, qui est ban ici. Mm-hmm. Et du coup ça laisse de la place à des picks qui étaient souvent permaban dans les semaines antérieures, comme bah, Vi et Milio. Justement, les deux sont open. Petit trade ici, Vi et Harry, un duo de champions qui fait du bien. Si tu ne te retrouves pas derrière dans la partie, ça fait même beaucoup de bien dans les drafts. Et on aime jouer Poppy dans Vi, Harry côté Game Ward. On va devoir lock un ADC également, je pense. Quoique, après, il y a beaucoup de choses disponibles en ADC. Parce que là, quand même, au niveau du nombre de champions mid disponibles, ça se réduit fortement. Toyers avait également joué un Jace pendant la saison, mais sans un gros jungler AP, ça semble pas forcément de circonstance. Donc là, dans les picks qu'il a déjà joué, Toyers, il n'y a plus disponible que Syndra, Orianna. Alors du coup, Jace, je le m'endors parce que je n'y crois pas. Et Annie, bon, il n'y a que deux bans aussi du côté des Easy Dream. Clairement. Ah, moi, j'aime bien le fait que là, les Game Ward de... Et comment dire, j'ai envie de dire la lucidité de ne pas pick le midliner, même si ça va causer des soucis dans la draft, parce que les choix qu'ils ont fait sont excellents. Je trouve que Poppy va forcément compenser le pick Milio par ce qu'elle apporte et fait que tu vas pas vraiment pouvoir te rater niveau draft. Et en plus de ça, bah la Xayah qui est un top ADC de la méta, que tu récupères, qui va bien avec Milio et qui est surtout très bonne contre Vi et Harry. J'aime absolument beaucoup les choix des Game Ward en réponse au power pick Vi Harry en face. Mais du coup, c'est un 4ème bad mid lane du côté des Easy Dream. Et le cas santé tout de même qui va passer à la moulinette du ban. Pas de Lulu, donc pas d'enchanteur, semblerait-il, pour la Jinx de Raito. Là, ça réfléchit de chaque côté. Un bad Lulu qui est capable de jouer pas mal de choses. On sait pas à 100% si cette Poppy allait être top. La Gwen est ban. Très bien. Bah écoute, ça laisse penser à un blind pick de la top, un blind pick de top de type tanky, je pense, côté Game Ward. Et le Blitzcrank pour aller avec une Jinx côté Easy Dream, c'est pas l'association la plus qui paraît la plus forcément logique, mais bon, on a envie de menacer le Milio et la Xayah précis. Ouais, pourquoi pas. Je trouve que actuellement avec Jinx, il n'y a pas d'association qui fait vraiment rêver en fait le pic. Je trouve un peu un pic de second choix, je trouve actuellement, mais ici du coup on se permet de prendre le Blitzcrank contre Xayah Milio. Ça fait le taf contre Milio, ça fait le taf, mais même contre Xayah, parce que mine de rien, même si elle a un ulti etc, elle n'a pas directement dans son kit de dash ou de choses comme ça, elle peut se faire surprendre en fait. Donc j'aime bien le champion ici. Par contre, contre Horn, là, niveau scaling, la compo Game Ward est plus que chargée. Elle est excellentissime en teamfight. La compo des Game Ward est terrifiante. Ouais. En front to back, elle est absolument monstrueuse. Elle a une capacité de réception qui est juste délirante. Avec Cassio, Poppy, Xayah, Milio.
Mais on ne néglige pas le côté engage avec un Horn également qui peut passer du côté offensif de la force, même s'il n'a pas forcément les meilleurs champions pour follow-up. Alors, qu'est-ce qu'on la speak du côté de Kyo? Alors, c'est Johnny, c'est très... Enfin, c'est Johnny. Pardon. Il y a un gant blanc. Ilaoi, c'est très bien dans, dans Horn, mais bon, on joue pas trop Ilaoi, c'est très rare d'en voir en compétitif. Par contre, GP, alors Kyo, est-ce qu'il a joué des GP cette année? Parce que c'est pas le premier GP hein, qu'il nous propose, Kyo. Ouais, c'est un pick. Je crois qu'il en a joué au Spring. Il l'affectionne. Ça vient apporter un minimum de scaling au, ouais, au Easy, mais bon, c'est. Un GP au Spring. Ça reste tout de même assez délicat en fight contre les ultis Horn. En fait, je sais pas comment il va tant apporter que ça avec son, son pick, mais l'ulti sur la backline, je pense, aura son, son impact. Des picks comme Milio, Xayah, Cassio, le simple slow et tout est, est pas trop mal pour zoner ses carries. On verra, mais du coup, on a vraiment forcé le mid-jungle un peu méta qui fonctionne bien pour les Hydri, mais en face, les réponses ont été très bonnes. Après, il y a ce blitz qui peut venir casser tout ça, mais là, ce qui ressort surtout, c'est vraiment le scaling ultime, oui, des Game Wars, double carry qui hard scale, un Horn top, ouais, un Milio en plus de ça, une Poppy qui a toujours une valeur de fou avec son, son anti-dash, son ulti en late game. Leur compo est, est terrifiante, mais peut-être qu'en face, ils vont réussir à faire fonctionner ce, ce Blitzcrank, par exemple, ou ce combo Vi-Harry très tôt dans la partie. Et ce, pour GP, un ce GP aussi qui, du coup, a une free lane normalement, mm-hmm, face à un Horn. Mais tu l'as dit, comment on va jouer en teamfight finalement. GP quand même qui a l'avantage de pouvoir outrange, ouais, un carry comme Cassio, je pense. Pour Xayah, oui aussi, de façon générale, une des forces de GP, c'est d'avoir énormément de portée avec, avec ses barils. Pareil, quand tu joues avec une Jinx, t'as beaucoup de range, donc c'est peut-être là-dessus qu'on a envie de jouer du côté des Easy Dream, mais ce sera pas forcément évident vu la draft colossale que nous proposent les Game Wars. Mesdames et messieurs, on est parti pour le premier match retour. Game Ward face à Easy Dream, ça commence maintenant. On est lancé, premier match de la journée. Oh, que vois-je, une Invade qui se tramerait dans les parages de ce Banana Bush, j'ai l'impression. Clay en embuscade, No Man's qui joue... Oh, 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 oh. Oh, il casse, oh, il casse. Forcé au flash-out directement. Un blind hook réussi du côté de Clay. Clairement. Eh ben. C'est bien joué, c'est bien joué. Mais Cass qui réagit bien, qui utilise son flash, et il joue ex-flash, donc ça va encore, on ne laissera pas de kill en début de partie. Et là, on voit les runes. Et j'ai vu d'ailleurs que le Gangplank avait start avec une potion rechargeable. Et il joue en plus Gathering Storm. Bot magique, il est là en scaling, mais ultime. Scaling. Il est là, tu, ouais, tu l'as dit, free lane et scaling ultime. Pour ce GP, qui est vraiment l'assurance scaling de son équipe, qui était nécessaire en réalité dans, dans cette partie. Ouais, parce qu'on n'est pas sûr que le mid jungle réussisse à avoir l'impact espéré, honnêtement, contre Poppy, Cassiopeia. On se retrouve dans, pour les deux champions des Easy Dream face à des picks un peu némésis, je trouve, sur le mid-jungle adverse. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on se tourne notamment vers le free scaling de ce GP. Et l'air de rien, vers ce Jinx Blitzcrank qui peut aussi surprendre, je pense. Attention, on n'a plus de plaques d'os. Du côté de Raxo, un bon grab de Clay pourrait peut-être faire mal. Après, en général, on préfère grab à partir du niveau 2 hein, pour un Blitzcrank, pour avoir le follow-up du point chargé sur le hook. Et Clay justement qui va tenter d'accélérer le flash in. On n'est pas niveau 2 encore, c'est le niveau 2 qui passe. Raxo, belle agression encore une fois. Raxo qui prend beaucoup de dégâts, qui est forcé de heal, et on s'arrêtera là. Mais pas de flash utilisé pour la botlane de Game Ward. Clairement le trade, okay, le trade en retour était pas mal du tout. Ce Blitzcrank qui joue aussi ex-flash, donc ça va, il pourra tout de même continuer de mettre de la pression, mais ça va, ils ont bien encaissé. Et comme tu as dit, ils ont toujours le flash joker si jamais un autre grab venait à toucher. Avec une Jinx qui a start au cul d'ailleurs dans cette lane. Ouh, la belle phase de beurre trouvée par Balulu, bien sûr. Dans les tout premiers niveaux, GP n'a pas les dégâts pour suffisamment menacer un Horn. Attention, Toyers. Oh, le charme ne va pas connecter ici. Toyers qui maintient son trade face à Nomads et la charge. Est-ce qu'on a les Mnias? Je pense qu'ils avaient déjà. Ouais, ils avaient été déjà utilisés, je pense. Non, il l'a pas pris. Il a pris le. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui. Oui. Il a pris le E en niveau 2 3. Pour prendre un gros trade au level 3. Ouais. Effectivement.
Et dommage parce que les miasmes là sur Joko, ça aurait été un peu la panique pour Lavaille, franchement. Ouais. Parce que pour t'en tirer comme ça, attention, la charge ici de la part de Ekas, peut-être. Ekas qui prend l'aggro de la Taureau, ça se passe pas bien. Cette tentative de dive pour les Game Ward, présence de Joko. Va-t-il se jeter dans ce buisson de Joko? Et non, il en retiendra sa fureur là-dessus. Même si le Q-spell de Cassio avait touché sur le stun de Poppy, elle aurait peut-être pu s'élancer et prendre le kill. Je sais pas si elle avait assez de mana. En tout cas, la Cassio tire qui a son impact en ce début de partie. Plus de summoner spell, plus de flash sur No Man's. Mais attention, top lane Kyo qui, on le rappelle, a un setup full scaling. Gathering Storm, First Strike, potion chargeable. Oh, attention, dans la jungle, on se croise une Poppy. Ça a un minimum de burst et ça peut go out sans problème avec le phase rush. Ouais. Un pick qui fonctionne très bien actuellement. Beaucoup de trades sur toutes les lanes entre les deux équipes. On voit qu'on a envie de prendre l'avantage sur toutes les positions. Notamment, les Game Ward mettent beaucoup de pression sur le top side. Et au bot, on tente ses grabs du côté de Clay et des Easy Dream. Mais bon, encore une fois, résultat assez mitigé finalement. Et pas mal de CS d'avance en faveur de Practice. Allez, Kass qui a su trouver les bonnes fenêtres dans la partie, montre une bonne présence. Il arrive à voler des Vrace ici. Alors qu'il était sans flash. Forcé de flash au niveau 1. Et en mid lane, Cassio qui fait une très bonne phase de lane. Parce que là, Twyers n'a pas encore back TP. Il aura un avantage de stuff sur son back TP étant donné qu'il a délayé ce back TP et qu'il a très bien farmé sur sa lane. Il est à 38 contre 30 à peu près après cette wave pour No Man's. Même ouais, plutôt 28, donc il est très très bien sur sa Cassio. Ouais, effectivement, ça peut être un bon reset du côté de Twyers. Attention ici les pyromasheurs, il y a les flashs disponibles, on le rappelle, du côté des Game Ward. Et le flash du côté de Raxos, c'est utilisé, bon trade back du côté de Practice. On ne tremble pas tant que ça pour la botlane de Game Ward. Un flash utilisé, le heal est bientôt de retour sur Raxos. Ça tourne finalement au niveau de ces summoners. Bon, ceci dit, plus de flash sur Raxos, peut-être que le prochain grab pourrait être cette fois-ci létal. Mais en tout cas, il résiste plutôt pas mal. Ça encaisse effectivement très bien. Et c'est là qu'on voit aussi que bon, l'association Blitzcrank Jinx n'est pas non plus hyper effrayante. Mm-hmm. C'est vrai. Surtout qu'elle est cherchée vraiment à l'agression avec cette cleanse sur la Jinx. Et elle start cull, cleanse, ça n'a pas vraiment d'utilité pour aller jouer agressif au niveau du kill par rapport à un heal. Même s'il y a le rappel de plume, tout ça, c'est quand même assez limité. On voit même que les Game Wards sont quasiment capables de trade back à chaque fois. Oh, c'est beau ça avec les miasmes. Mais regardez, magnifique charge du côté de Ekas. Quel travail réalisé par Twyers qui setup parfaitement pour son jungler du grand art. C'est excellent. Excellent. Le first blood qui va sur la Poppy. Cette Poppy qui est toujours là au bon endroit, au bon moment. Avec un très bon rythme. Regardez l'arrivée. Water walking. Les bots sont achetés. Flash, stun. On sécurise totalement le kill. No Man's était deux fois mort ici. Oh Clay, dommage, parce que là j'avoue, s'ils avaient grab Raxos dans le pit du dragon, c'était un kill pour les Easy Dream. Ce serait une très belle compensation de récupérer ce dragon, notamment grâce à la pression du Blitz. J'avais envie de dire que c'est un minimum pour les Easy Dream au vu de ce qui est en train de se passer, au vu des 1k gold d'avance qu'ont déjà les Game Ward avec leur compo hyper scaling. Ça va être récupéré. Très bon point pour les Easy Dream. Parce que là, la Poppy ne va pas cesser de mettre autant de pression. Parce qu'il a bien farmé, il a volé un camp de Vrace, il a un kill. Il est superbement bien dans sa game et casse. Il est un peu partout, c'est clair. Oh, attention ici, ça touche pour Balulu, qui continue à prendre de très bons trades contre Kyo. Il lui met beaucoup de pression quand même. Ces trades qu'il trouve à répétition sont très gênants pour Kyo, qui est derrière au farm. Franchement, énorme respect à Badlulu, même si, encore une fois, c'est censé aller de mieux en mieux pour le GP, mais il a utilisé la puissance de laning de Horn quasiment au maximum de ce qu'il pouvait faire. Dommage qu'ils n'aient pas pu trouver un dive sur Kyo. Clairement, les cookies, le Doran Shield et le pick Horn, toujours solide. Hein. Un pick qu'on revoit petit à petit. Et là, comment tu veux que Horn soit démodé d'une certaine façon? Ouais, c'est vrai. Et là, le défi pour les Game Wards, ça va être de réussir à jouer ce héros de la faille sur le top side. Parce qu'en 2v2, 3v3, ils sont extrêmement forts. Horn, Poppy.
Il y a tout dans les kits, tu peux pas vraiment te rater. Et t'as assez de dégâts, mine de rien, en 2v2 et en 3v3 avec la Cassio, ça devrait bien se passer aussi. Warriors a encore son flash. Et sans citer l'avance qu'ils ont, regardez, Joko, lui, a passé pas mal de temps pour épauler sa botlane, faire ce dragon. Du coup, là, il est obligé de faire ses camps. Il a un bac de retard. Et là, le Herald est absolument abandonné, même si on a la vision. Les Game Ward ont du coup très bien réagi à cet avantage et ce temps que les Easy ont perdu. Oh, bot side en prenant le Drake. Magnifique side step de practice. Et là, ça peut trade back. Ouais, dès qu'il n'y a plus de grab, c'est open bar pour la botlane des Game Ward. Le flash de Raxo qui sera de retour d'ici 1 minute 30 à peu près. Oh, attention ici. Et Castella cette fois-ci. Kyo va peut-être prendre la correctionnelle. Très belle utilisation. C'était un X-Flash ou un flash tout court? Au niveau de la botlane, on a peut-être un 2v3 angle ici. Practice qui va essayer de sortir de là. Il envoie l'ultimate. Bien joué. Joko, c'était très bien conservé. Le dash, c'est bien joué. Et ça survit. En 2v3 de l'autre côté de la carte. Practice qui ne panique pas sur le timing de l'utilisation de son ulti. Il le réserve au moment idéal sur l'ultimate de cette vaille. Et les Game Ward qui frappent au top. Quel boulot réalisé tout de même pour Bad Lulu. Hein. On parle justement du fait qu'ils n'aient pas réussi à dive ce gangplank. C'était à peu près tout ce qui manquait dans la phase de lane de Bad Lulu. Mais regardez, un 600 gold d'avance pour le Horn. Il a son item à 9 minutes de jeu. Pour ce GP, c'est la crise en réalité. Clairement. Être autant derrière un Horn à 10 minutes de jeu, ça fait quand même très mal. Même si le premier item de Q est complété, mais franchement, cette phase de lane est un peu une faillite pour le top laner Easy Dream. Tout à fait. Et là, on comprend vraiment ce pick Poppy. La pièce maîtresse de la partie. Ekas la joue parfaitement. C'était un flex pick dans la draft. Le pick qui vient parfaitement combiner les défauts d'un first pick milieu. Le pick était incroyablement bien senti. C'est ce qui définit un petit peu la physionomie de la game pour les Game Wards qui s'en sortent superbement bien. Surtout quand on sait que la Poppy va toujours faire barrière avec son E aux assauts que les Easy Dream sont obligés de faire pour jouer des fights avec Harry, Vi, etc. Il y aura toujours la valeur de l'ulti. Et puis au niveau des gants, qu'on l'a vu, Ekas trouve toujours les bons angles et les bons timings. Ah, mais pour Harry et Vi, ça va être très difficile d'être efficace. Et encore plus quand on voit que No Man's est désormais pas mal derrière la Cassiopeia de Two Warriors. C'est une Harry qui est derrière. Bon, alors ça peut toujours avoir de l'utilité, bien sûr, avec sa mobilité et un charme bien ajusté. Mais en termes de dégâts, on ne devrait pas y être pour le mid laner d'Easy Dream. Je pense que ce saut noir risque d'avoir du mal à se stacker. Je ne sais pas pourquoi je le sens, là. Ouais. C'est vraiment de ce blitz que la différence va devoir se faire pour les Idrim. Mais quand tu es derrière avec ce pick, c'est délicat. Parce qu'en face, tu as plus de temps pour prendre le contrôle de la vision. Mais on voit que là, qui est extrêmement rapide ici. Il se fait intercepter par la Poppy. L'ultimate du GP en follow-up est excellent. Est-ce qu'on va réussir à trouver Castor? Le flash directement de la part de la Cassio. Le premier qui est récupéré. Le poison qui touche, on enchaîne. Tiens bien l'intervention de Bad Lulu sur le côté qui vient cesser absolument tout le monde avec ce horn. Les Easy Dream tombent un par un dans leur jungle ici. Quelle téléportation de Bad Lulu et quel ultimate sur les trois moments restants des Easy Dream ici. C'était absolument magistralement réalisé par Bad Lulu et les Game Ward qui s'imposent dans ce fight. Ils ont réussi à fuir dans leur jungle. Les solo laner Easy Dream, on n'était pas loin d'un ace, mine de rien. Pour les Game Ward, on va revoir tout ça. La Poppy qui s'élance, Poppy qui tank très bien. Poppy qui tank. Très bonne ulti de Warriors, hein, parce que les trois se sont pris, mais ils se sont bien retournés. La botlane Easy Dream a assez bien réagi. Two Warriors qui tombe, mais franchement, il a tenu tellement de temps, alors que tous les il est arrivé dans le fight, il avait No Man's dans son dos. Mm-hmm. Et là, ils ont eu raison, les Easy Dream, d'essayer de mettre en place un play proactif avec ce blitz. On l'a vu arriver super vite avec les mobilités, mais si le grab ne touche pas un carry adverse, leur compo peut pas vraiment s'exprimer, elle se fait juste champion tchèque, hein, en face à face. Et là, on a eu qu'un tout petit aperçu de la puissance du teamfight des Game Ward. Parce que ça ne devrait pas s'arrêter a priori en termes de progression à ce niveau, vraiment. Ils ont les armes en main pour réaliser des teamfights de fou, les Game Ward. Point positif,
point positif tout de même, les deux dragons récupérés par, par les Isidré, ouais. Mais la soule a joué, pas celle qui fait le plus rêver. La Game World, en vrai, clean game. Bien tenté tout de même de la part des Isidré, parce que s'ils ne tentent pas quelque chose, comment dire, qui va permettre, voilà, de les faire revenir un peu dans la partie, comme ça en early game. J'ai du mal à voir comment ils le feront plus tard, parce que en face, je suis désolé d'insister, mais les 5 Epic Game World, tu les mets côte à côte en fight, c'est délirant en termes de puissance. Il y a absolument tout, en fait. Oui. Avec des carries, tout de même dur à attraper. Une Cassio, quand elle a tous ses items, c'est très tanky. La Xayah, bah, elle a son ulti milieu. Il y a vraiment que le Blitz qui peut venir casser ça en attrapant très vite un carry, mais c'est extrêmement difficile. Mais qu'est-ce que tu attrapes, honnêtement ? C'est extrêmement difficile quand tu vois que Ekas, bien positionné, va totalement empêcher ça et rester devant ses carries. C'est ça, puis Xayah, pas facile à cache, il a son ult. Cassio, il a bu séculaire en plus, donc séculaire Séraphin, difficile à one-shot de 1. Et bah, c'est Cassio, donc quand tu la ramènes vers ta team, elle a un angle parfait pour ulti. Et Yaraxo, effectivement, avec ce milieu. Mais sur le papier, même pour Blitzcrank, c'est pas une game évidente, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de très bons clients. Parce qu'on pourrait se dire que ça peut partir de Vi, Harry, etc. Mais Vi, Harry reste quand même quelque chose d'assez lent à mettre en place. T'as le temps de réagir, t'as le temps de flash out, t'as le temps de te repositionner. Et surtout... Attends, ils vont dive bot. Bad Lulu. C'est compliqué, il est en face à 4 personnes, il va dodge le charme avec son dash ici. Est-ce qu'il peut sortir de là? C'est trop compliqué, trop de CC, trop de dégâts. Ouais, il s'est bon play de la part des Isidré. Ça charge par un charme, je crois, de la Harry. Il y avait vraiment trop de CC. Je pense qu'il a bien utilisé son souffle. Ouais, il n'y a pas trop de miracle à attendre là-dessus. Bon move des Isidré, mais... En termes de gold, c'est même pas rentable, parce que la première tour, elle est récupérée par un carry, la cache au top, mais bon, ça met quand même la Jinx dans de bonnes conditions, ça va. C'est ça, elle a eu le droit à ce kill, la Jinx, donc... Il y avait un petit shutdown sur le horn, donc c'est quand même légèrement rentable pour les Isidré. Bon, attention, en mid lane, on se prend le charme, les dégâts sont là. Bah, la Jinx, le backup du milieu aussi. La Jinx, c'est le seul champion de Isidré à être devant, donc dans l'idée, c'est quand même un play qui vaut le coup côté Isidré, même si tu l'as dit, ils prennent pas la première tour, mais cette Jinx se met bien. Si elle n'avait pas eu le kill, on aurait peut-être eu un avis différent, mais c'est OK. Maintenant, ouais. C'est une Jinx qui a 500 gold d'avance contre toute la draft des Game Ward. Tout à fait. Le bilan n'est pas encore là. Mais attention hein, aussi à ce GP. Les gold GP qui commencent à se générer là, on est en train de remonter petit à petit côté Kyo. Jolie charge de Ekas. Belle interception ici. Les dégâts de la Poppy sont convaincants. On a Raxo qui arrive en backup sur le côté. No Man's va-t-il pouvoir sortir de là? Il va devoir ulti. Et la pression de Ekas. Il a pas utilisé l'ulti de s'abattre dans la game. Je pensais qu'Ekas allait peut-être tenter un ult. Mais oui, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu vite pour la Jinx. Le kill qui avait un petit shutdown, je crois, sur le horn plus la tourelle. Ouais. On parle quand même du Jinx. L'hyper carry qui a sa réputation. Bon, certes, elle n'est pas accompagnée d'un support de rêve pour la faire briller. Oh, à moins que Clay ici qui hésite au niveau du grab. Mais Praxis qui ne tremble pas et qui turn avec sa Xayah. Attention tout de même à l'Everfrost ici. Praxis qui insiste. Tandis que Twyers, la percée de Twyers. Allo, Isidré. Son joli side step, BPM si faible. Mais Praxis effectivement qui est totalement en contrôle. Mais quelle percée sur le bot side de la Cassiopeia de Twyers. 2600 gold d'avance pour cette Cassio. Il y a un problème, non? Ouais, c'est un peu trop. À 16 minutes de jeu, c'est énorme. 16 minutes. En plus, surtout quand on sait qu'elle a deux items qui scale énormément. Parce que là, dans 4-5 minutes, quand l'archange proc, etc., on sera pas loin du niveau 16, avec 3 items, la Cassio va être full CC, full dégâts, full tank, full. Il y aura absolument tout. Bah, ce sera inarrêtable, avec Milio qui va pouvoir la protéger et la mettre un petit peu sous stéroïde. Ça va être très dur. Et là, on l'a vu, Praxis, les petits gauche-droite, parce qu'il faut savoir qu'il dodge tous ses spells sans flash et sans ulti. Il a vraiment des BPM extrêmement faibles. Rien à craindre pour Ekas. C'est pas comme si cette Poppy pouvait se faire one shot. C'est pas la bonne pioche au niveau des grabs. On l'a vu tout à l'heure dans la river, ça peut même l'arranger. Bah oui. Pas facile de trouver le bon grab pour Clay qui va continuer d'essayer, bien entendu.
Et ce GP, bah, faut continuer à lui donner du temps, bien sûr. Mais les Game Ward qui assurent alors, ce premier dragon de la game pour eux et surtout qui vont devoir avoir les yeux sur le Baron Nashor. Parce que là, on sera bientôt à 2 items pour la Xayah. Cette Cassio sera bientôt à 3 items. Ah, de mon point de vue, quand le Baron Nashor pop, franchement, je vois pas pourquoi Game Ward ne prendrait pas position et ne forcerait pas les Easy Dream au fight. Clairement. Et au-delà de ces carries très bien dans leur partie, on a Milio et Poppy qui font des items défensifs et utilitaires pour encore plus les mettre dans de bonnes conditions. Et on a tellement il y a de choses positives dans la draft et pour les Game Ward, on a oublié d'en citer aussi les améliorations du Horn qui vont arriver assez vite. Oui. Ça fait vraiment trop. Il est niveau 12 là, donc ça arrive pour Balulu. Niveau 14 bientôt. À partir de là, ça va forger. Le Baron Nashor est là dans une minute désormais. Easy Dream a besoin de maintenir un peu une situation de statu quo dans la game, notamment pour permettre à Kyo de scale avec son GP. Mais ah. Twyers, qui peut aller chercher Twyers? Je pense qu'il a 1v2 Twyers. Voilà, c'est ça les Easy Dream. Honnêtement, là, le but, c'est d'essayer de gagner du temps grâce à cette T1 mid qui est toujours debout et ces deux dragons qui ont été récupérés. Essayer de temporiser sans que les ennemis prennent le Nash. Ils sont red side avec un Blitzcrank, ça peut se faire. Le temps que Jinx et ce GP aient 3 items. Et là, à ce moment-là, on pourra tenter un petit tout pour le tout avec un grab qui touche, un reset pris sur la Jinx. Et c'est à mon avis l'angle que les Easy Dream vont essayer d'aborder parce que là, sans ces 3 items sur Jinx GP, ça va être très difficile de stat check les adversaires quelle que soit la situation. Et ce le sera aussi avec ces 3 objets, mais il y aura peut-être un peu plus de chance. Parce que là, la Harry, tu en parlais, elle caresse les adversaires, hein. Même la Cassio, du haut de ses 3000 HP. Ah, que les Krugs, tellement de valeur pour GP. Ce GP peut-être, hein. il a le Gathering Storm, il accumule les golds, mais ouais. En face, pour compenser, les améliorations du Horn, elles sont tout à fait notables. Hein. La Cassio, quand elle va avoir son mythique amélioré, elle a déjà 3 items. Si elle joue bien avec son flash. J'insiste vraiment sur le grab de Clive, parce que c'est très dur à mettre en place, mais c'est le seul truc qui peut vraiment venir casser l'énorme avance et le stat check impassable pour les Easy Dream. Oh là, il veut chercher ce duel Bad Lulu, peut-il le gagner? Kyo, peut-être que le flash est un peu tôt. Et Bad Lulu qui va récupérer le solo kill sur Kyo. Un peu tôt, je pense, pour le flash de Kyo. Allez, tout juste assez de mana, Bad Lulu qui n'a pas tremblé. Aye. Dans le trade. Et le Jack Shaw. Jack Shaw, un très bon item de 1v1 dans ce scénario-là qui a totalement fait la différence. Et de l'autre côté, c'est le Nashor qui est bientôt terminé, Chips. Ouais, on y est, à moins que Clyde trouve un excellent grab. Et dommage, ça ne touchera pas sur Joko. Joko qui va se repositionner dans le pit, mais qui va être réceptionné. Bien entendu, il se faire vaporiser. Le smite est désormais facile. Baron Nashor validé pour les Game Ward. Ça m'a l'air d'être une affaire quasiment rondement menée pour Game Ward. Tout à fait, je ne sais pas s'ils avaient la vision. Si Joko a dû aller en bas, logiquement il doit avoir la vision pour ulti, mais au niveau du Nash, attention, Ekas est en train d'inverser le midliner adverse. Là, quels sont les dégâts de cette Poppy mais... avec le buff Nashor, l'ultimate est forcé sur No Man's. Et on continue d'accélérer. Ils vont pas tuer. Ils vont le tuer ou pas? Si, ils tuent, d'accord, j'ai un heal. Ça tombe, mais de l'autre côté, Twyers met de très bons dégâts forcés au flash out. Ça va, les Easy Dream qui arrive à saisir l'opportunité grâce à ce grab. Petit shutdown de récupérer. Un point positif. Ouais, va falloir quand même que Game Ward parvienne à passer ses T2 avec la fin du buff Baron et là Kyo. Ouais, normalement t'essaies de flasher le bouquetin, mais tu flashes pas avant. Clairement. Et là on revoit ce fight. Alors on a une pink Game Ward intouchable évidemment. Et là ça met la ping quoi, il va peut-être un petit peu tôt Joko, il y avait beaucoup d'HP sur ce Nashor. Là j'aime bien les Game Ward, c'est un petit détail mais tous les carries arrêtent de DPS quand il reste que le jungler avec le Nash pour être sûr qu'il n'y ait
pas la moindre chance que le Nashor se fasse kill. Oui. On laisse Ekaz finir ça avec son smite. Tout à fait, un bon moment de discipline pour les Game Ward. Très bien, il n'y a pas grand chose à dire sur cette game. Ils jouent vraiment bien les Game Ward. Hein. C'est depuis quelques games, y compris dans celle-là. Ah, je te rejoins, c'est solide. Là, Game Ward, ils ont retrouvé un peu une tendance. Bah écoute, avec notamment des grosses drafts de front to back. Ouais, la première rotation de pick, là, les trois premiers picks, c'était au moins une draft 50-50 pour eux. Et ce pick Cassio contre Harry est venu un peu couronner le tout. Et surtout Ekaz hein, qui a empêché Two Warriors de se faire battre en 1v2 et qui l'a même mis dans de bonnes conditions. Et derrière, Lazy n'avait plus vraiment d'endroit où s'appuyer. Oh, c'était très très close, très bien joué de la part de Clay. Il était pas loin de passer ce grab sur practice. Petit manque de réussite ici pour le Blitz. Et ça progresse côté Game Ward. On a encore un peu de buff baron. Est-ce qu'on peut sécuriser une T2 tout de même? T2 mid par exemple. La wave est loin. Bon. Baron correct pour les Game Ward, mais le fait qu'il reste des T2 n'en fait pas non plus une réussite totale. Il casse en embuscade. Est-ce qu'un joueur Easy Dream fera le mauvais pas? Ah, dommage, bien tenté. Il arrive tout de même à trouver les fenêtres. Oh. Et là, il se fait turn par la casque. Le Riley qui slow. Les dégâts sont excellentissimes. Oh, dernier coup pour Clive. Va-t-il tomber ici? Il tombera du poison. Et de l'autre côté, c'est pas terminé. Il casse au contact des adversaires avec sa Poppy. L'histoire de cette game. Ah, le Blitzcrank, dès qu'il est délogé, il faut fuir très très loin. Ils vont insister les Game Ward. Il y a quand même beaucoup de wave clear. Avec ce GP, avec cette Jinx. Bah, Lulu qui s'avance. Attention tout de même. C'est récupéré pour les Game Ward. Et on sent tout de même la puissance de feu du GP Jinx en lane. Petit à petit, ouais. Trois items pour le GP. Un assez bon farm sur les deux champions. Toujours à peu près dans la course. Que faire pour les Easy Dream? Encore une fois, toujours tenter de résister, de repousser les tentatives Game Ward. Gagner du temps pour un quatrième item GP, pour un troisième item Jinx. Mais bon, le Horn a commencé à forger les items. Ouais, ça forge fort, hein. Il a 4000 HP. Petit abyssal aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Alors sur ce top side, on a envie de récupérer le gros lot sur cette tourelle. Oh attention ici, on va fade check. Est-ce que ça part au fight? On y va directement, ça tente de burst de bad Lulu, mais le pile du milieu et la tente de ce Horde est phénoménal. Triple CC, c'est combo de fou. Practice qui flash le midliner adverse. Easy Dreams, GG. Séché. Game. Ça c'est du fade check de tank hein, de la part de bad Lulu. Il y est allé sans peur et sans reproche. Et il a puni la tentative de kill des Easy Dream. Victoire des Game Ward donc, qui vont capitaliser sur cette wave qui leur tend les bras. Mais tellement tanky Bad Lulu, une dinguerie en ce qu'il a fait quand même dans cette game. Il est très connu pour ses duelistes, mais franchement, ouais. Quel Horn. Ah, Bad Lulu en forme à l'image du split passé où il faisait très très mal dans les games. Et les Game Ward clairement dans la course. On le verra sans doute au niveau du tableau qu'on reverra dans la soirée, mais avoir 3 victoires actuellement, c'est pas si mauvais que ça. Il y avait vraiment voilà un moment où il fallait rebondir pour les Game Ward. Il y a quelques games, ils ont rebondi et ils sont du coup à nouveau dans la course. Bah concrètement hein, la première place de playoff pour l'instant elle est à 3 victoires, donc effectivement en sécurisant celle-ci, Game Ward se hisse au niveau de LDLCOL, de BDS Academy, de Vitality B, donc ils sont dans le train justement pour les dernières places de playoff. Et il y a encore 8 matchs à jouer de leur côté, donc mathématiquement beaucoup plus en termes de potentiel, bien sûr, bien joué au Game Ward. Et on va aller débriefer tout ça, bien sûr, en plateau, mesdames et messieurs, avec Shrik, avec Tréton et avec le patriarche Twixloo. Messieurs, c'est à vous.
Merci, très cher Ange du play-by-play. Victoire des Game Wars, donc, pour entamer cette première journée de match retour. Et décidément, les tanks sont à l'honneur. Quelle performance de la... Qu'est-ce qu'il y a, Tristan ? Non, non, je peux juste dessiner à Marex pour qu'il me comprenne, etc. Mais on a un lien, on arrive à se comprendre rapidement. Okay. Mais oui, non, mais les tanks sont à l'honneur, en effet. Ah, mais continue, je t'en prie. Quel... Oh, on a désolé, hein, Shrek. Hein. Vraiment, on essaie de travailler notre synergie avec Tréton, mais c'est pas évident, on est un peu nouveau. Bah, du coup, une game où il y a beaucoup de tanks, une game où il y a Cassiopeia avec Xayah en termes de DPS, c'était très très bien à ce niveau-là. Fallait surtout pas tomber derrière pour la boîte à une game ward contre le Blitzcrank, qui est normalement un très bon champion contre Melo, même si là ça a pas très bien fonctionné. On a quand même senti que Easy a essayé d'appuyer sur cette botlane, mais à partir du moment où il snowball pas là-dessus et où le Horn est aussi bien dans sa game, voire même bah, il détruit le GP. C'est très très difficile derrière les win conditions pour Easy Dream. Elles sont très mecs, c'est juste cette Jinx, mais il n'y a pas ce qu'il faut autour d'elle pour fonctionner en teamfight. On n'a pas eu vraiment le temps de développer un semblant de jeu. En réalité, le top side des Game Wards, alors ça a été durant le segment de printemps l'argument clé, hein, vraiment pour les Guardians, ce trio Ekas, Towers, Bad Lulu. Il est bel et bien, on a l'impression, de retour tout de même depuis maintenant bien deux semaines, vu que cette semaine vient de se terminer pour les Game Wards. On a une excellente synergie mid-jungle dans cette game. Il faut voir si ça va durer, si ça va pas durer. Mais surtout, en fait, je pense que le Blitzcrank n'a pas du tout fonctionné. On n'a pas réussi à trouver quoi que ce soit. L'intérêt du pick ici n'existait pas. Le flank de Bad Lulu, tous les premiers fights qui sont les plus importants pour Easy ont été presque sabotés. Et les Game Wards les ont trop bien pris. Et ils ont outscaled, quoi, 10 minutes de jeu. Ouais, 10 minutes de jeu, hein, globalement, on n'a pas eu le temps de forger. Shrek, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Bon, on va revoir le duel entre Bad Lulu et Kyo, où on est à peu près even en termes de level, mais effectivement, le flash, interception du bouquetin et tout, Chips a assez bien décrypté l'action. Mais je voulais, Shrek, que tu reviennes un petit peu sur ce match-up Cassiopeia-Harry. C'est une recette qu'on voit souvent être déployée, notamment en LEC. On sait que Nuke, par exemple, le midlaner des BDS, est relativement fan de ce match-up. Ma question, elle est très simple. Pourquoi on ne va pas plus souvent, voire quasi systématiquement, de Cassiopeia dans Harry? Bah, il faut savoir cliquer. C'est déjà un bon argument, en vrai. Cassiopeia, c'est... Ça va. Alors, je sais que c'est un pic d'experts et de joueurs reconnus internationalement comme étant des gods mécaniques, mais quand même. Si on veut être plus sérieux, il y a aussi un gamble. Si tu joues Cassio, tu laisses une certaine priorité à ton opposant sur pas mal de waves. Il faut avoir Harry, le bot side et le top side qui peuvent gérer des rotations early game, surtout du niveau 7 à 9 d'une Harry. Et si t'as par exemple une botlane qui se fait die facilement ou un top laner qui se fait exploser, tu ne peux pas te permettre de pick Cassio. Et là t'as avec Xayah et Horn top, aucun risque. Tu considères Cassio comme un counter matchup d'Harry ou pas véritablement? Comme j'ai dit, ça dépend des win conditions, mais là oui. Ici oui, c'est juste. Non, je parle dans juste le 1v1, on va dire. Oui, bah, à partir du moment où t'arrives, tu te prends un Q, t'es finito, t'as assez de move speed pour vraiment chercher à la sidestep le bisou, ce qui est possible dans le match-up, alors que dans pas mal, c'est pas possible. Ok. Et en plus, t'es trop tanky, tu peux rien faire. Et à partir du moment où t'as deux items, même un item, à la rine, tu peux quasiment plus te tuer. D'accord, merci pour les pointers. J'ai quand même le sentiment que ça se passe très souvent assez bien. Pour Cassiopeia, mesdames et messieurs, pour conclure cette rencontre entre Game Ward et Easy Dream, on va accueillir le Horn, le bouquetin en personne, mesdames et messieurs. Et le bouquetin s'appelle Bad Lulu. Bad Lulu, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Félicitations. Voilà, c'est terrible, absolument. Toutes mes excuses, Bad Lulu. Félicitations pour la victoire de ce soir. Une Horn Duty, mais version carry. Du plaisir a été pris de ton côté aujourd'hui? Ouais, clairement. Vu la game, clairement. Alors pourquoi, justement, parle-nous un petit peu de ce match, approche un peu scaling, etc. Mais le Horn, est-ce que c'est vraiment une recette que tu gardes en réserve ou l'occasion était particulière ce soir? Bah, c'est un pic que j'apprécie déjà et je pense que l'occasion était très bonne parce qu'on avait besoin de frontline avec les trois premiers pics qu'on a eus. Et donc voilà, et je me suis senti de le pic et puis voilà, puis je l'avais déjà pic avant et on avait gagné. Donc, et je pense que c'est fort actuellement. C'est fort actuellement, ok, on va rebondir là-dessus, mais les conditions du match-up, on sait que Kyo a une petite affection pour Gangplank. Il y a un degré d'inquiétude qui t'a traversé l'esprit lorsque tu as dû prendre ce match-up à bras-le-corps? Bah déjà, le match-up n'est pas trop conventionnel actuellement. Je pense que GP, c'est plus comme avant. En fait, le problème, c'est qu'en lane, il est très très faible. Et donc, en fait, quand tu es contre Horn, bah, ça va être très dur de passer la laning phase. Et donc, bah, dans ce match, on a vu que c'était assez compliqué pour lui. Mais non, je ne pense pas que GP, ça fait vraiment peur dans la compo. Mais sinon, ouais. Voilà.
Alors, on parle un petit peu de ce top side quand même, parce que c'est ce qui vous définit. Nous, on a le sentiment que c'est ce qui vous définit véritablement chez Game World. Alors, aucun disrespect, bien sûr, pour Praxis, Raxo, mais ce qui est souvent le dénominateur commun de vos victoires et de vos séries de victoires même, c'est cette collaboration entre toi et Cass et Twyers également. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir récupéré un mojo qui vous a un petit peu filé entre les doigts à travers ces défaites en match officiel, bien sûr? Bah après, clairement, dans les matchs officiels, ça joue toujours à très peu de choses. Et ouais, je pense que notre force, c'est notre top side. Et là, on a pu le montrer sur cette game. Donc, ouais, on va essayer de consolider ça et de win les prochaines games. Très bien. Bah vous, voilà, de nouvelles recettes, une petite Cassio Poppy, de la Horn Duty. J'ai envie de dire, tous les voyants sont au vert, très tournant. Le voyant est au vert, en effet. Bah, Lulu, tu commences à avoir roulé un petit peu ta bosse en LFL maintenant. C'est plusieurs fois qu'on te voit dans cette belle ligue. T'as pas mal joué du coup en offline, et je voulais savoir à quel point t'étais pressé d'aller jouer à Nice, à quel point t'es confiant maintenant de jouer en offline avec le public, etc. Bah moi déjà en offline, je suis à l'aise, déjà je suis très à l'aise avec tout ce que l'expérience que j'ai eu avant, ouais, avec Trackmania, etc. Mais ouais, enfin c'est super bien toujours de jouer sur scène, sur ton LFL avec le public, etc. Et je pense que ça peut nous mettre dans une très bonne dynamique si on arrive à faire des bons LFL Days, parce que là on est en 3-7 et toutes les teams sont closes dans le top 5 bottom, donc c'est très important, je pense. Vous êtes en réalité playoffable si on arrêtait le ladder aujourd'hui, donc c'est effectivement une situation où on n'a pas de quoi être inquiet, au contraire, vous avez totalement le destin entre vos mains, et on est vraiment ravis de vous voir chevaucher une petite série de bonnes games, en tout cas, mon cher Bad Lulu. Un mot pour terminer ce match et refermer ce chapitre Game World, mon cher Bad Lulu, peut-être un teaser sur quelque chose que tu nous réserves pour la semaine prochaine à Nice? Pas spécialement de teaser, mais on va essayer de continuer dans la dynamique qu'on est et de pouvoir encore gagner des games et monter en playoff et montrer qu'on est une bonne équipe. Ah, merci beaucoup, Lulu. Comme d'habitude, un plaisir de te recevoir. Tu repartiras bien entendu avec ton petit MVP. Hein, ça plaît au public lorsqu'il y a des solo kills de tank contre des non-tanks, en l'occurrence. Mon cher Balulu, on te souhaite une excellente soirée. Passe les félicitations, bien sûr, à tous tes teammates et à tout ton staff. Et on a hâte de vous retrouver toutes et tous au LFL Days la semaine prochaine. Salut, Balulu. Merci à vous. À la semaine prochaine. Salut. Et donc, voilà, on conclut sur le sourire ravageur de Balulu. Une Horn Duty magnifiquement accomplie. Mais ouais, ce topside est de retour. Game War est de retour. Ouais, totalement. Ils font 3 wins sur 4 sur les 4 derniers matchs. Même dans leur défaite, ils ont été relativement convaincants dans le jeu. Donc Game War joue bien. La Felday, il l'a dit, ils sont à l'aise et ils pensent que c'est peut-être là que tout peut se débloquer. Surtout lui est à l'aise. Bah, forcément, avec l'expérience qu'il a en TM Cup, c'est vrai qu'il a fait des scènes plutôt stylées à cette époque-là. Des grosses scènes, oui. Donc on verra bien ce qui va se passer à Nice. Mais une semaine en 2-0 à Nice pour Game War, directement en termes de playoffs, ça les met très très bien. Très bien dit. La vision est très objectif, très précise. En réalité, malgré ce score qui peut sembler un petit peu faible en termes de victoire-défaite, ils sont en réalité tout à fait playoffables, puisque en dehors de ce top 4, top 5 qui se décroche un petit peu, on est dans un mouchoir de poche pour les autres équipes de LFL. On enchaîne dans la soirée, mesdames et messieurs. Mon cher Tréton, est-ce que tu as l'affiche du match numéro 2 en tête? Je te donne un indice. Tu as pronostiqué contre vents et marées. J'ai Aegis Solari. Vita. J'ai. T'as voté Vita. Mec, je pense faire même plus. Je même plus. Bah, mesdames et messieurs, malgré la défaillance de la mémoire de Tréton, le match numéro 2 de cette soirée, c'est Bekarog contre Vita ACB, mon cher Tréton. Et c'est juste après la pause sur ETP. À tout de suite.